Alors, pour 20 000 euros, qu'est-ce que tu peux avoir? Ah, tu peux avoir pas mal de choses. Là, pour le coup, on vient de faire le simulateur pour le T-Max, Black Max, le tout nouveau 2023 qu'on vient de recevoir. Alors, on s'est fait énormément plaisir toute cette semaine. On aurait peut-être d'abord dû simuler le prix, parce que là, effectivement, on est à plus de 20 000 euros. Pourquoi? Parce que nous avons la suspension Linz, la fourche et le ressort arrière. Le kit sport où vous avez donc ces petites protections, les petits repose-pieds et le porte-plaque court. Et aussi une option à 2200 euros, la ligne complète Acra carbone. Et c'est vrai que, effectivement, donc je pense qu'on a touché un des points qu'on nous reproche souvent sur le T-Max. C'est vrai qu'il est incroyable, mais il est quand même plutôt cher. Je pense qu'on est un petit peu à l'instar du concept de la voiture. On a les supercars, et là, je pense qu'on est sur le concept du super scooter. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a tout. Il y a tout ce que l'on peut attendre d'un deux roues. Le cruise control, les poignées chauffantes, la selle chauffante, un tableau de bord tout à fait hallucinant. Mais par contre, et c'est pour ça que je vais dire que c'est un super scooter dans le sens où, il a une ligne de fou. C'est vrai qu'il est vraiment très très beau. En plus, dans ce noir mat, il est vraiment splendide. Là, on a un tableau de bord tout à fait hallucinant. Ça, c'est une des grosses nouveautés de cette année. C'est cet immense tableau de bord digital qui est hyper lisible, même s'il y a énormément d'infos. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Mais effectivement, là, on est sur le concept du super scooter. C'est qu'en fait, le T-Max n'a pas, à l'instar du Forza 750, c'est plus vraiment le vrai concept du scooter. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de chargement qui n'est pas énorme, puisque donc il y a la possibilité d'avoir... il y a la possibilité de ranger un casque, et ça dépend les casques. Donc, testez-le bien avant. Parce que c'est vrai que moi, je peux rentrer mon chouet dedans sans problème. Je sais que toi, Gilles, tu avais eu quelques soucis avec le tien, ça ne rentrait pas. Le Xperia ne rentre pas dedans. Alors, souvent, on nous avait fait la réflexion pour le Forza, comme quoi il y avait moyen de mettre deux casques dans le top case. Alors, on est tout à fait preneurs pour vos infos. Moi, franchement, c'est vrai que, et Sarah l'avait répondu, moi, j'ai essayé de mettre mon casque dans le top case et je l'ai griffé. Donc, je n'ai pas réussi à le fermer. Donc, franchement... il y a peut-être moyen, mais on n'a pas réussi vraiment à trouver. C'est vrai que l'avant est super agressif. Et effectivement, l'arrière, avec ce phare en forme de T, comme le T-Max, c'est vraiment très, très joli. Donc, pour en revenir à ce que je disais au départ, une capacité de chargement qui n'est pas dingue. Et surtout le fait que l'on doive enfourcher le T-Max, c'est pas un plancher plat. Je vous en ai déjà parlé dans mes différents essais de scooters. Donc il y a encore des scooters ancienne génération qui ont un cadre en U, avec un moteur porteur un moteur porté par la suspension arrière. Donc ce qui amène une facilité de chargement puisque vous pouvez vraiment charger des choses importantes entre les jambes. Mais par contre la tenue de route s'en ressent. Ici, au contraire, et le T-Max était le précurseur à ce niveau-là, c'est un moteur central avec un cadre complet. Mais donc, effectivement, on n'avait plus de plancher plat et vous devez enfourcher le T-Max. Et aussi, lorsque vous mettez quelqu'un qui est un petit peu plus petit, on a le cas avec Sarah, c'est vrai que quand elle s'arrête, elle doit vraiment s'asseoir sur le bouchon de réservoir parce que sinon les pieds ne sont pas au sol puisqu'il y a une grosse largeur. À part ça, on garde les avantages d'un scooter pour évidemment la facilité de manœuvre, parce que ce sont des petites roues, la possibilité de mettre les pieds en avant ou les pieds en dessous, là ou là, donc les pieds en avant un peu style custom, et effectivement, c'est vraiment cette facilité, puisque il suffit d'accélérer et de freiner, mais ici, de nouveau, on est arrivé un petit peu au bout du concept, c'est-à-dire qu'on s'en est tous rendu compte, ça tient extrêmement bien à la route. Ce scooter a une tenue de route incroyable. Les pneus, les Bridgestone participent vraiment à vraiment cette qualité de tenue de route. En plus, avec la suspension Linz, il est extrêmement bien suspendu. Il est assez rigide, donc il est un petit peu dur. Mais il n'est pas dur par manque
de suspension. Il est dur tout simplement parce que la suspension est assez sportive. Et donc on arrive un petit peu au bout du concept. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'attaquer comme avec une moto, parce que ça tient vraiment la route comme une moto. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des petites roues par rapport à une moto, des grandes roues par rapport à un scooter, mais des petites roues par rapport à une moto. Et donc, ben, on va dire que l'avant engage un peu. Et donc, oui, effectivement, et ça, c'était... Voilà, ça, on fait toutes nos excuses à Yamaha, mais c'est vrai qu'on le met sur l'angle, en fait, c'est c'est la visserie de la ligne d'échappement qui touche. Ça, c'est quand même pas très pratique. Alors, je ne sais pas si c'est un fait exprès. Ce nouveau 560 développe 46 chevaux, peut-être en souvenir d'un certain pilote, très certainement, un pilote Yamaha. Donc 46 chevaux, et ils sont vraiment très très présents. C'est-à-dire que, c'est vrai que quand on met des watts, c'est toujours resté dans la tête des gens. On dit toujours qu'un T-Max à l'accélération dépose toutes les motos. Ce n'est pas vrai, parce qu'une moto bien conduite avec une boîte de vitesse accélérera toujours plus fort qu'un T-Max. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça va très 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 fort. Autre chose aussi, c'est que ce qu'on a trouvé, effectivement, c'est aussi quelque chose qui est revenu lors de nos différents essais, c'est un petit peu, hein, on a tous râlé là-dessus, puisque donc vous avez le clignotant et la petite molette pour rentrer dans le menu. Dans le menu, merci Gilles, qui sont l'une à côté de l'autre. Et je viens encore d'aller rouler. Bon, vous le savez, là pour l'instant, on a quand même 4 motos dans le garage. Donc, il faut chaque fois se réhabituer d'une moto à l'autre. Et c'est vrai que là, sur le tableau de bord, c'est pas super, super naturel. Et je trouve que, par exemple, l'ajustement du pare-brise, c'est le genre de choses que l'on devrait, où je trouve qu'on devrait avoir vraiment directement un bouton qui est uniquement dédié à ce pare-brise, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser régulièrement, comme également les poignées chauffantes, la selle chauffante, etc. Donc voilà, effectivement, on va commencer à titiller sur des petits détails, mais le scooter est tellement parfait que, voilà. Il a aussi l'autre avantage qu'on avait redécouvert sur toutes les boîtes DCT chez Honda, c'est-à-dire d'avoir un frein à main au guidon. Alors, donc, frein à main que vous allez retrouver ici, c'est toujours très pratique lorsque vous le garez en pente, hein, puisque ça vous permet de bloquer la roue arrière, pas la roue avant, malheureusement. C'est ce qui manque sur beaucoup de véhicules. C'est ce qui manque, ben, par exemple, sur les véhicules, sur les zéros électriques, enfin, sur les zéros qu'on avait reçus, il n'y a pas ce frein à main. Et c'est vrai que lorsqu'on gare la moto en descente, eh ben, on risque de la retrouver par terre parce que la moto, comme il n'y a pas de boîte de vitesse, elle peut rouler. Autre chose, ça fait partie des sécurités qu'ils ont mis aussi. Donc, lorsque vous bloquez la direction, vous bloquez également la béquille centrale. Donc, lorsque vous mettez le scooter sur la béquille centrale, quand vous bloquez la direction, ça bloque la béquille centrale. Donc, c'est impossible de replier la béquille et de le pousser. Là, on va le faire comme ça. Quand même, dans les capacités de chargement... dans les capacités de chargement, on a également ici, une petite boîte à gants. Support de téléphone. Avec support de téléphone, ça c'est extrêmement malin, puisque vous avez le support de téléphone et la prise USB juste à côté. Par contre, utiliser une prise en angle, parce que moi j'ai branché ma prise là, sauf que la profondeur du capuchon a fait que j'ai replié ma prise. Ah, ben voilà. Donc vous voyez, c'est toujours le gros intérêt. On va pas faire les gens qui se plaignent, mais c'est vrai qu'on roule vraiment avec toutes les motos, et je sais que vous aimez ça, parce qu'on n'est pas juste essayeur moto, on est juste essayeur moto, mais je veux dire, on roule vraiment avec toutes les motos que nous recevons, et donc on découvre des petites choses qu'on va peut-être pas découvrir directement lorsqu'on fait un test d'une demi-heure ou d'une heure. Ici, on a vraiment tous été bossés avec, on a été roulé avec quand il pleuvait, quand il faisait beau, on était se balader, etc. Donc, on a vraiment eu l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Bon, pour le reste, hein, peut-être un petit broum-broum. Allez, un petit broum-broum. Donc, évidemment, vous n'allez pas pouvoir entendre l'accélération à fond, puisqu'il y a un blocage sur le scooter. Appuie sur le bouton parce qu'il faut freiner en même temps. Vas-y. C'est moi qui l'ai coupé. Voilà, vous voyez ce tableau de bord qui est splendide. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas moyen... Il n'y a pas moyen d'accélérer à fond quand il est sur la béquille centrale pour éviter de vous retrouver avec le scooter emplafonné dans la voiture de Gilles, et il ne serait pas très content. Donc vous voyez que
Le son est assez sympa et vraiment, vous voyez ce tableau de bord qui est vraiment très, 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 très beau. C'est quand même très, très beau. Hein. Ils sont vraiment fait plaisir chez Yamaha. Allez, on se retrouve sur la route. À tout de suite, les amis. On va aller équiper le reste. Hein. Et normalement, c'est vrai que normalement, je vous fais toujours la petite démo avec Sarah comme passagère. Mais comme on a absolument voulu garer le scooter pour qu'il soit beau, il est garé vraiment dans un... Et si tu veux, tu peux le descendre. Je vais le descendre et on va appeler quand même Sarah, là, notre passagère préférée. Voilà. Hop, je vais lui ouvrir les petits. Mais vous le voyez aussi, mais c'est vrai que c'était important parce que sinon, vous n'auriez pas vu au niveau de la hauteur de celle. C'est vrai que pour moi... C'est pas un souci. Donc, mais c'est... Tu triches, t'es dans la gouttière. Ouais, je suis dans la gouttière. Oui, ah, juste. Oui, tout à fait, t'as raison. Et donc Sarah qui a fait quelques kilomètres derrière, un peu comme d'habitude, puisque elle ne peut pas rouler pour l'instant. Et ben donc en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que la suspension est quand même assez ferme, mais c'est un peu dans l'idée des voitures allemandes et des voitures françaises dans les années 80. Donc il y avait les voitures françaises qui étaient très molles au niveau de suspension, très molles au niveau des sièges. Les allemandes étaient dures et dures. Mais on se rendait compte sur un long trajet que c'était plus pratique d'avoir quelque chose de dur et de ferme plutôt que d'avoir quelque chose de mou. Tu veux pas montrer Sarah entre les deux? Parce que tu as un peu d'espace entre les deux. Ouais. Non, bouge pas Oli, mets-toi normalement. Ah, ouais. Mettez-vous normalement tous les ouais, deux. Voilà. Et donc en fait, on voit le petit dosseret qui bloque Oli qui est juste entre les jambes de Sarah. Ben, c'est impeccable. Voilà, donc, Allez, on se retrouve tout de suite les amis sur la route. Allez, on va rouler. Oui, je te laisse descendre madame. Je vais là. Oui, ben, évidemment que tu vas t'équiper. Allez, à tout de suite. C'est le truc, j'avais chaque fois oublié le concept de... Ah oui, excuse-moi. J'ai pas fini. J'oublie chaque fois le concept de la béquille sécurisée. Ça, c'est vachement intelligent quand même. Bon, effectivement, vous voyez R18. Hein. R18, super météor. La vie est une durlute. Et non pas une turlute. Hein. Voilà, les amis. Bon, ben, la suite, l'embarquer comme d'habitude, hein, toujours un plaisir de faire ces petites vidéos embarquées. Vous le voyez quand même, donc bon, la route est évidemment extrêmement défoncée, mais les suspensions donc sont plutôt fermes. C'est vrai qu'on a tendance souvent sur les scooters à se retrouver avec des suspensions fermes de par la hauteur des roues, enfin d'être sur des motos assez fermes de par la hauteur des roues, la dureté des suspensions. Ici pour le coup, bah, c'est vrai qu'avec le Hollins, le scooter est très très bien suspendu, donc il tient super bien la route, mais il garde quand même cette fermeté, on va dire, au niveau des suspensions. Mais cette fermeté n'a rien à voir avec de l'inconfort, c'est vraiment juste super confortable. Alors, comme je l'ai dit, au niveau de donc le Tecmax, qui est donc le super haut de gamme de chez Yamaha, puisqu'en fait, il y a pratiquement, il y a trois principales options que vous allez pouvoir mettre sur le Tecmax, c'est-à-dire le pack sport, donc avec le pare-brise et toutes les petites choses que je vous ai montrées tout à l'heure, le porte-plaque court, etc., qui lui confère vraiment un look très 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 réussi, très léché. Vous voyez l'avant en noir mat, c'est quand même très très beau aussi. L'autre option, c'est cette ligne Acra, c'est une ligne qui est étudiée, on en a déjà parlé, donc ça ne sert à rien de mettre n'importe quoi sur votre deux roues comme échappement, parce que vous pouvez même y perdre au niveau de la puissance, on en a déjà parlé dans nos lives. Mettre une ligne complète qui n'est pas dédiée à votre deux roues, ben, ça ne va pas vous faire gagner des chevaux. Ça va vous faire gagner du bruit, mais ça ne va pas vous faire gagner des chevaux. Ici, pour le coup, ben, cette ligne est évidemment plus légère que la ligne d'origine. Esthétiquement, c'est beaucoup plus réussi. Mais vous allez aussi y gagner un petit peu en puissance. Alors, c'est un petit peu en puissance. Hein. Ça ne va pas vous amener qu'un chevaux en plus de mettre une ligne d'échappement. Enfin, si, sur une moto de très, très, très puissante. Mais ici, c'est vrai que c'est un à deux. C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier qu'un T-Max, c'est un A2, mais donc il fait effectivement moins 35 kW, puisqu'il fait 34 kW et quelques. Donc vous pouvez l'utiliser en A2, enfin vous pouvez rouler dessus en permis A2 maintenant. Et je sais que je l'ai déjà vu avec certains motards que j'ai croisés qui avaient acheté un T-Max et qui sont fait assez rapidement peur dessus parce que c'est...
ça reste un deux roues qui est surprenant par son agilité, qui est surprenant par sa puissance, mais qui est également surprenant par la hauteur de selle due à sa largeur entre les jambes. Et donc ça peut déstabiliser certains. Et je connais pas mal d'acheteurs de T-Max qui l'ont revendu assez rapidement parce que ils sont fait très vite peur. Donc voilà, c'est aussi une chose à réfléchir. C'est vrai qu'un T-Max, ça reste un très 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 bel engin, un très bel outil, qui malheureusement doit se taper cette image un peu de bad boy. Parce que c'est un peu le scooter plébiscité par une certaine catégorie de, je ne vais pas dire de motards, parce que ce ne sont pas des motards, par des personnes qui roulent sur des deux roues, on va dire, par cette facilité et puis par le nombre qui sont volés aussi, donc on a beaucoup qui roulent avec ça. Et c'est vrai que Yamaha vraiment subi cette image qu'a toujours eu le T-Max depuis la sortie du T-Max, qui, une fois de plus, dois-je vous le rappeler, la marque aux trois diapasons a lancé un nouveau concept, comme ils l'ont déjà fait plein de fois. Et c'est vrai que le T-Max était le premier scooter sportif, puisqu'il est considéré comme un scooter sport. Pour moi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour moi, on peut presque parler d'un super scooter, dans le sens où on est au-delà de la mêlée lorsqu'on roule en T-Max. Un T-Max peut tout à fait rentrer dans un groupe de motards, parce que vous n'allez pas être distancé lorsque vous allez rouler avec ce T-Max, parce que la puissance vous permet de suivre allègrement un groupe de motards sans aucun problème. Maintenant, il faut toujours voir si le groupe va vous accueillir avec plaisir, parce que à cause de cette mauvaise image et qui malheureusement continue à être véhiculée, on s'en est déjà rendu compte plusieurs fois. Mais bon, on va pas commencer à philosopher sur l'image du T-Max, c'est juste pour vous dire que vous êtes sur le haut de gamme, vous êtes sur la première place du podium dans les scooters, et on attend avec impatience que d'autres marques, Honda nous a déjà fait un très très bel exemplaire avec le Forza 750, mais c'est encore autre chose, parce que là on est vraiment sur du très haut de gamme et c'est plus du A2. Mais donc c'est clair qu'on est sur le sommet de la hiérarchie des super scooters. Alors on se retrouve bientôt pour la suite, les amis. Là on est très très en avant cette année sur les scooters, sur les vidéos. Il y a juste Gilles qui doit travailler comme un bœuf pour essayer de suivre toutes les vidéos qu'on fait. Parce que les montages, etc., ça, hein, les drones, les machins, il faut profiter du beau temps. Donc c'est très très chaud. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Nous on est arrivé au bout et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous poser des questions comme d'habitude. Ciao !